Bonjour à tous et bienvenue sur la Coconut Box. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'une box mensuelle. Il s'agit de la Blissim, mais avant ceci, je tiens tout d'abord à vous remercier parce que je suis profondément touchée et émue de voir que j'ai à ce jour, je crois, 30 ou 35 abonnés. Donc, je me suis lancée dans cette aventure en me disant, bon ben voilà, tu unboxes tes trucs de ton côté, pourquoi pas partager avec certaines personnes? Parce que moi, je suis comme ça, je regarde plein de vidéos d'unboxing avant de me décider à acheter quelque chose, parce que bah, des fois, ça aide. On se dit, ah ben non, finalement, ça vaut pas le coup. Et du coup, je suis partie de rien, j'ai vraiment pas de moyens, je suis loin, mais alors dans l'océan de YouTube, je suis en dessous du plancton. Donc voilà, je n'ai pas les moyens qu'ont d'autres youtubeuses de montage, de choses comme ça. Donc je fais un petit peu ma petite tambouille de mon côté. Donc voilà, tout ça pour dire vraiment merci, merci, merci beaucoup. Ça me touche énormément, je suis contente. Et bah, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, puisque bah, voilà, c'est mon univers, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc des unboxings, aussi bien encore des calendriers de l'Avent qui arrivent, dont le Yankee Candle. J'ai aussi deux marionneudes. Alors c'est pas le grand, mais celui à 35 € et un nouveau qui est sorti à un after, je crois. Donc je vais unboxer, bah, je récupère le colis normalement lundi, donc j'essaie de vous faire la vidéo dans la foulée lundi soir. Donc voilà, voilà, sans plus tarder, bah, je vous propose de bah, regarder ma petite intro, puis on se retrouve juste après. Alors, donc, les coconuts. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour unboxer la Blissim du mois de novembre. Et oui, novembre. On est aujourd'hui le 29 ou le 30. Et je l'ai déjà reçue, donc, pour le mois de novembre. Et elle se présente comme ceci. Magnifique, d'un espèce de bleu. On dirait des fleurs. Enfin, très, très, très jolie. Vraiment très, très jolie. Et en fait, on avait ceci dans la boîte qui ne rentrait pas. Donc, c'est un gros catalogue. Donc, ils appellent ça le catalogue de Noël 2022, Christmas Party. Et du coup, dedans, on a plein d'infos sur les produits, des coffrets. On a également moins 30% des 89 € sur le shop. Bon, non valable sur les points rouges, nanana. Donc ensuite, on a plein de produits à venir, des éditions limitées, mais ça, on regardera ça après. Donc, la petite boîte, comme ceci, toute mimi. Donc, quand on ouvre, on a un petit papier comme ceci. Alors, c'est Blissim et Gémio. Donc, c'est un concours pour tenter de remporter en avant-première une bague Gémio. Bon, bijoux, mes yeux brillent. Donc, avant le 2 novembre, pourquoi pas? Je vais tester. Je gagne jamais rien, mais bon, je vais tester. Alors, c'est parti. Bah, écoutez, je peux vous dire qu'elle est bien remplie. Donc, on va peut-être commencer par le choix qu'on avait, parce qu'en fait, ce mois-ci, Blissim, oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté la box. Donc, Blissim, c'est une box qui coûtait 13,90 € à un moment, puis elle est passée à 14,90 € l'année dernière. Et là, dernièrement, en fait, on nous a laissé le choix. En tant qu'abonné, on va dire ancien abonné, de pouvoir bénéficier de ce même tarif de 14,90 € pendant un an, sous engagement d'un an du moins. Donc on reste à 14,90 €, donc c'est ce que j'ai fait. Et sinon, la box passe à 16,90 €, donc 2 € de plus par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça. Bon, bref, on va pas revenir sur le débat, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Je pense que bon, il y avait d'autres moyens peut-être de pallier à cette augmentation, comme je ne sais pas moi, faire des livrets dématérialisés ou peut-être une box moins jolie, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même une augmentation d'un coup de 3 €. Et bon, bah, tout le monde subit malheureusement cette inflation. Donc bon, moi, j'ai quand même, même si on a cette sensation d'être pris en otage, j'ai quand même cédé aux 14,90 € pendant un an. Puis après, on verra comment les choses évoluent. Du coup, ici, on avait le choix entre un mascara,
et une pierre de jade. Donc, comme vous avez vu mes éditions limitées, j'en ai déjà reçu deux dedans, dont une que je vais offrir. J'en ai encore d'autres que j'avais reçues de la My Little Box. Donc, forcément, j'ai choisi le. Alors, c'est le mascara Benefit Bad Gal Bang. Donc, en version, on va dire, voyage, hein, c'est un 4 grammes. Donc, il se présente comme ceci. Hop. Avec la brosse en picot. Magnifique. Donc bon, je suis très contente parce que j'en avais déjà un petit. Donc du coup, ça m'en fait un deuxième. Et franchement, moi, j'adore les mascaras. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était le premier produit. Ensuite, je pioche un produit de la marque Polar. Hein, encore. Donc cette fois-ci, c'est le Neige Éternelle. Donc c'est une crème jeunesse aux fleurs arctiques. Donc il est vraiment bien ce produit. Bon. Encore une fois, c'est un polar. C'est vrai qu'on le reçoit énormément. Donc, je ne sais pas si. Oui, si, je dois en avoir déjà un, il me semble. Donc, je disais, c'est un petit flacon. J'ai pris mon petit livret, du coup, où il est juste là. Donc, en fait, il s'agit du 20 ml. Voilà. Donc, sachant que le full size, il fait 50 ml à 39,95 €. Je n'ai pas fait de calcul, mais donc, c'est une miniature. Ensuite, je pioche ici. J'ai eu un produit de la marque Brave New Air. Donc, on a déjà eu ces produits souvent dans la Glossy Box et ce sont des produits en général pour le corps. Mais là, je lis que c'est donc c'est une miniature parce que ça fait 50 millilitres. Et du coup, hop, 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 le full size normalement c'est 250 ml qui fait 13,59 €. Oui, voilà, New Air Valérie pour les cheveux. C'est un masque reboot. Donc, ils nous disent que faites prendre à vos cheveux un nouveau départ. Ce masque va réparer en profondeur vos longueurs abîmées. J'en ai bien besoin. Ses pouvoirs magiques, il booste la brillance de vos cheveux, pas vos chevaux, restaure la structure interne de la fibre, lisse les longueurs, apporte une bonne dose de douceur dans sa formule. Pas de silicone ni d'ingrédients d'origine animale. Laissez poser 5 minutes sur vos cheveux humides et rincés. Très bien, pourquoi pas, on va tester. Ils disent pas pour quel type de cheveux, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Ça sent bon, ça sent les produits cheveux. Ils disent pas c'est pour type, quel type de cheveux par contre. Ou alors c'est moi qui suis bigleuse. Non, c'est y a rien de noté en fait. Ils mettent pas, donc je pense que ça doit être pour tout type de cheveux. À tester, je vous en dirai des nouvelles. Suivant, je pioche un énorme produit comme ça. J'ai l'impression que c'est un full size. Je vais vous dire ça tout de suite sur le petit livret qui se présente juste ici, comme ça. Donc le gros format, ouais, c'est un full size parce qu'en fait c'est un 50 ml et c'est un 50 ml. Donc il s'agit de la marque Patika, j'en ai entendu parler. Donc c'est un gommage sorbet éclat radiant sorbet scrub. Donc au micro-grain de noyau d'abricot. Donc ça doit être pas mal du tout pour le visage. Donc il est operculé. Mais effectivement, au travers, je sens ça sent super bon. Donc, ils nous disent le secret d'une belle peau nettoyée et repulpée. Sa double action en surface, les micro-grains de noyau d'abricot libèrent la peau, pardon, des cellules mortes et lissent le grain de peau en profondeur. L'algue rouge et l'eau cellulaire de framboise bio relancent la micro-circulation cutanée pour réveiller l'éclat. Donc, il contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle et est certifié bio et cosmo-organique. Bah, dis donc, sympa, blissiment, là, sur le coup. Et donc, sa valeur est de 16,90 €. Bien. Très contente là, donc ça me fait un full size. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un full size, mais ensuite, je pioche un dernier produit et pas des moindres parce qu'il s'agit en fait d'une CC crème de la marque Madara. Alors, c'est pas un full size, c'est un miniature de 15 ml parce que le full size fait 40 ml et vaut 22,95 €. Donc, il est riche en acide hyaluronique anti-pollution. CC crème. Alors, c'est un SPF 15 et la teinte, c'est médium. Alors, on va voir si ça me va parce que moi, des fois, c'est médium, voire plutôt mat. Oh, regardez la couleur commencer. Bon, après, moi, quand c'est un petit peu trop clair, hein, je le travaille. Hein, je mets du bronzer. Bon, il y a moyen de le travailler parce que j'avais acheté une... C'est la Super Bébé Crème et j'avais pris la teinte... je sais plus c'est quelle teinte que j'ai pris. Et qui est vraiment beaucoup trop clair. C'était la dorée, alors que je crois qu'ils ont ajouté une teinte et du coup c'est devenu un petit peu trop clair. Bon, bah voilà, on la travaille. Franchement,
Bon, ça sent bon et tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Corriger les imperfections et le teint interne grâce à cette CC crème anti-pollution. Son action, elle hydrate, elle protège le microbiote cutané, prévient l'obstruction des pores et inflammation, préserve la peau des polluants urbains. Innovante, elle contient plusieurs ingrédients précieux pour la peau et crée un fini naturel qui magnifie votre teint, le protège de la lumière bleue digitale. Elle est à 100% naturelle, contient de l'acide hyaluronique et est certifiée Cosmo Naturel. Bah écoutez, franchement, je suis un petit peu sur le cucul là. Il n'y a pas de full size comme ils font d'habitude, mais quand même, moi je suis quand même assez contente de ma box. J'ai une CC crème donc qui fait quand même produit make-up. J'ai un magnifique gommage dont j'ai entendu parler de la marque Patika. Et que je trouve vraiment très très intéressant. J'ai un petit mascara. Bon, ils auraient pu mettre un full size hein, quand même. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage. Ici, la petite crème polar, qu'on en a 15 000, mais bon, c'est une crème polar quand même. Et puis, il me manque un produit. Ah oui, et le Brave New Air que je vais tester parce que je ne connaissais pas. Je connaissais une version, je vous dis, dans Glossy Box où c'était pailleté. On la mettait sur le corps, c'est pour ça que j'ai bugué. Mais voilà. Bah, écoutez, franchement, moi, je suis. On va faire un petit bilan. Donc, petit bilan qui va bien, sincèrement, je suis quand même assez contente par rapport au mois dernier. La seule chose que je reproche, c'est qu'encore c'est un mascara qu'il fallait choisir parce que, bon, bah voilà, au bout d'un moment, on va ouvrir une boutique de mascara, même si on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est juste ça, il faut changer un peu les choix là, Blissime. Hein. Ça fait 3 mois, il me semble presque, qu'on a qu'un choix à mascara. Enfin, s'il y avait une crème Diabolique Tomate, je suis mauvaise langue, mais bon, j'en avais plein. Donc, du coup, ça me ramène quand même à un mascara. Sans compter que j'avais eu l'édition limitée où j'ai eu un mascara dedans, donc voilà. Mais sinon, franchement, je suis assez contente. On va regarder un petit peu le petit livret de Noël. Mais écoutez, oui, de petites idées cadeaux par-ci par-là, des petits coffrets comme ça. C'est pas mal. Hein. Bon, toujours. Il y a la Splendis qui est sortie. Alors, franchement, je dois vous avouer que je suis un peu mitigée. Je me tâte en fait. Hein. Pourtant, je ne rate jamais les Splendis. Mais là, sur le coup, j'ai pas un coup de cœur parce que. Pourquoi? Parce que ce produit-là, je l'ai déjà, on l'a eu dans une box avec Blissim, celui-là aussi. Celui-ci, ce que j'aime pas, c'est que c'est aléatoire et on peut avoir coco, citron, basilic ou fruit de la passion. Je veux pas citron basilic. Hein. Donc ça m'embête un peu. Ils auraient pu nous laisser choisir, par exemple. Ici, on a une crème que je connais pas, donc qui pourrait être intéressant pour le visage, mais bon, voilà. Le banana, oui, ça, bien sûr, ça m'intéresse. Ça aussi pour les cheveux, puisque apparemment c'est une bonne huile. Je ne connais pas cette marque, mais j'en ai entendu du bien pour les cheveux. Le mascara, je connais pas. Le vernis, bon, la couleur, voilà quoi. Enfin, moi j'aime bien les couleurs originales, mais je trouve que bon. Ils auraient pu mettre le Red Hibiscus, il est magnifique. La petite bague, pourquoi pas, j'adore les bijoux. Et puis la pochette, elle est sympa, mais je me dis, on la mettra une fois à Noël et puis après, elle restera dans un placard. Donc voilà, je sais pas, je la trouve un peu par rapport à toutes les Splendis que je prends d'habitude. J'ai l'impression que c'est moins généreux en fait. Vous voyez, il n'y a pas de crème corps, ça fait pas Noélique, ça fait pas. Je sais pas, j'ai pas eu un coup de cœur. J'attends un petit peu, sachant que ça part quand même assez vite. Donc faudrait quand même que je me décide. Mais il me semble, je suis en train de surveiller parce qu'il me semble qu'ils vont peut-être faire un calendrier. Splendis ou quelque chose comme ça, donc voilà. Bon, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais j'avoue que j'étais là au starting block et puis finalement, non, j'ai pas validé parce que je sais pas, bref, je raconte ma vie. Ensuite, ils font des coffrets aussi à offrir, ce qui sont pas mal, donc 3 mois, 6 mois, etc. Avec maintenant, il y a le Patika dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres éditions limitées? Non, ils nous reparlent du calendrier de l'Avent. Voilà, il nous parle de petits coffrets comme ça qui sont assez sympas, manicuristes pour le gel. Ah si, il y a une édition limitée homme avec cette fois-ci une casquette. D'habitude, ils mettent on appelle ça un bonnet. Voilà. Puis bon, des trucs pour les cheveux, etc., etc. Et une wishlist aussi. Donc voilà, bah, écoutez, voilà, pour moi, cet unboxing est terminé. Donc je suis quand même assez contente, je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu plus gâtée que le mois dernier. Alors c'est peut-être une impression, hein. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'attends vos retours dans les commentaires, me dire si vous avez reçu la même sélection que moi, puisque ça change un peu en fonction du profil beauté. Et puis écoutez, moi je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. J'ai la Gambette Box qui m'a dit que je crois que je serai livrée lundi ou mardi ou mercredi plutôt parce que là, mardi c'est férié.
Et aussi la My Little Box qui arrive déjà lundi, me semble. Donc, ça arrive très, très vite. Donc, voilà, plein de vidéos en vue. Et puis, calendrier de l'Avent Marionnaude aussi. Donc, voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et encore merci pour vos abonnements et vos likes. Ça me fait énormément plaisir. Donc, voilà, et à très, très, très bientôt sur la Coconut Box.